Eh bien, salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, mais surtout activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le SBC de Jonathan Bamba, donc solution SBC la moins chère possible. Vous allez voir, c'est vraiment pas cher pour le joueur qu'il est. Je vais vous montrer ses stats. Donc vraiment, c'est un cadeau de la part d'IA. 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pied, accélération 92, vitesse 92, finition 84. Placement offensif 86, agilité 90, équilibre 90, puissance de tir 91, tir blanc 85. On est quand même sur une carte exceptionnelle de la part d'IA puisqu'il ne coûte que 50 000 crédits. Ça, vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr que vous le retrouverez en Futchamp. Hein. C'est quasi sûr et certain. En Futchamp, tout le monde va le faire pour sa carte exceptionnelle. En plus, il est français de Ligue 1. Donc, soit tu le mets dans ton équipe française, soit tu le mets dans ton équipe de Ligue 1. Voilà, il y a quand même une carte exceptionnelle. Pour son premier SBC, joueur d'équipe de la semaine, un joueur français, notre général minimum 82. Une fois que tu as trouvé ton joueur d'équipe de la semaine qui coûtait pas cher, qui est Sabitzer, bah à côté, voilà, c'est du 80, du 82, tu as 2,83 à mettre, et après, c'est vraiment du donné. Voilà, c'est le premier SBC va vous coûter à peu près, allez, si je dis pas de bêtises, 20 000 crédits, et encore, je pense que la plupart des gens ont déjà des 79, des 80 dans leur club. Après, ça, c'est vrai, si vraiment votre club est vide, mais voilà, en termes de rentabilité, je vous dis. Pour le premier SBC, je pense que vous allez faire tout seul. Ensuite, pour le deuxième SBC, bon là, c'est un petit peu plus cher. 30 000 crédits, une note à 84, un joueur de Ligue 1. Une fois que tu as trouvé, comme je te dis, les gros joueurs, donc Sabali Boost, t'as plus qu'à mettre des 84 et des 83. Donc Dzeko, Tadic en 84. On a ici Bastoni, Hummels. Et ensuite, le reste, c'est des 83. Et c'est vraiment, vraiment pas cher. Pour la carte qu'il a, et le SBC va, au final, je pense que vous allez tous le faire avec des joueurs que vous avez déjà dans le club. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que à ce stade du jeu, tu as quand même des cartes accessibles. Alors après, ça a beaucoup été critiqué, comme quoi cette année, toutes les bonnes cartes étaient gratuites, et donc il y avait énormément de joueurs qui les faisaient, et ça cassait les couilles, parce qu'au final, on n'avantageait pas les crédits. Je suis pas du tout de cet avis, puisque voilà, c'est l'occasion aussi pour tout le monde de tester des joueurs, et puis c'est l'occasion aussi d'avoir des bons joueurs dans son club sans forcément dépenser énormément de crédit. C'est vrai qu'on a été beaucoup servi cette année, la preuve, j'ai 2 millions de crédits, je sais pas quoi en faire. Voilà, tout simplement. Alors j'ai vu Guendouzi, avec son 5 étoiles de geste technique, qui a l'air intéressant, mais à part ça, je vais vous montrer mon équipe, j'ai pas vraiment de joueurs à remplacer. Alors peut-être qu'Efren Thuram parle à l'avenir. Ici, je vais peut-être mettre Anthony, voilà. Mais sinon, à part ça, voilà, c'est quasiment que du gratuit. Donc lui, gratuit, gratuit. Bon, Mbappé, j'ai acheté, gratuit, gratuit, gratuit. Acheté, gratuit, gratuit, gratuit. Donc voilà, mon équipe, c'est que ça. C'est pour ça, les 2 millions de crédits. Moi, je ne sais pas sur quoi les mettre, je vais attendre les tots. Et puis, on verra bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à commenter, à partager, c'est héroïque. Salut la team.